Bonjour tout le monde, c'est Ève. J'espère que votre semaine s'est bien commencée et que tout se passe bien ce matin pour vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la magie des fleurs, qui est un très très bel oracle, qui n'est plus disponible, je crois d'ailleurs, en vente. Voilà, qui nous parle de la sagesse, bah, des fleurs. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Le dos est comme ça. Et voici les cartes très très colorées. Je vous fais la petite mise au point. Là, je me suis dit que c'était bien de commencer cette première guidance de la semaine avec la beauté des fleurs. Allez, on y va. Savoir quelle va être une petite clé du jour. On va prendre celle-là. Je vous la montre. Zandeteski, éthiopienne. Alors le conseil de cette carte, c'est soyez tranquille. C'est vrai que dans notre monde moderne, on nous laisse à penser qu'on a toujours quelque chose à faire, qu'on doit toujours nous occuper, que ce soit le corps ou l'esprit. Il faut toujours qu'on soit en mouvement, toujours qu'on pense à quelque chose, toujours avoir un objectif même de l'ordre du quotidien, toujours quelque chose à faire. On n'est pas habitué finalement à apprécier tout simplement la tranquillité, le moment de pause, le moment où on ne fait rien, on ne pense à rien, où on laisse passer ses pensées, où on ne s'accroche pas à elles, où on n'a pas quelque chose à faire. Et c'est même parfois pour certaines personnes assez culpabilisant d'ailleurs de se dire je ne fais rien et j'apprécie ce moment pleinement. Lorsqu'on est confronté à des situations, on a aussi également envie de pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre dans la situation pour l'améliorer. Alors que parfois le plus sage des conseils, c'est justement d'attendre et d'observer avant d'agir. Et malgré soi, quand on ne fait rien, quand on n'est pas là à vouloir intervenir sur quelque chose, à agir sur quelque chose, de faire quelque chose, on se met en position de réceptivité par rapport à l'environnement qui nous entoure et par rapport aux énergies subtiles. Et ça, c'est important parce que cet état d'être nous permet d'apprécier et d'avoir le plaisir d'être en toute simplicité et d'apprécier le moment présent. Alors peut-être que c'est une invitation pour commencer cette journée de fermer simplement les yeux, de ne pas penser au retard qu'on va avoir ou à tout ce qu'on a à faire, prendre juste 5 minutes et à se recentrer sur soi, à observer sa propre respiration, à sentir sa respiration et à se concentrer sur tout le ressenti et toute l'énergie et le flux qu'il y a dans le corps quand on respire, c'est-à-dire prendre conscience de sa respiration et ne penser à rien d'autre, juste être à ce moment-là présent pour essayer de tendre vers cette tranquillité. Alors de manière beaucoup plus concrète, si vous êtes travaillé par une situation particulière, cette carte-là, ce message-là, vous invite à ne simplement pas agir pour le moment, de vous mettre en retrait, d'observer, d'essayer de trouver votre propre tranquillité au centre de vous-même, au niveau du vortex. Alors si vous êtes à la course de réalisations particulières et d'objectifs, c'est bien de faire ce que vous devez faire, mais également pensez à lâcher prise sur le résultat, sur vos attentes, afin de laisser le cours des choses se faire. C'est-à-dire que chaque chose doit se réaliser, doit naître à un moment précis, et que parfois d'accélérer les choses ou de vouloir aller trop vite, on peut également avorter certaines naissances prévues. Donc peut-être lâcher prise sur vos attentes, s'abandonner à ce qu'il adviendra et ne pas être en attente d'un résultat particulier.
Et si c'est nécessaire, parce que parfois certaines personnes ont du mal à trouver la tranquillité quand c'est le bazar autour d'elles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un environnement sain, bah tout simplement de faire un grand ménage, de ranger tout le fouillis qu'il y a dans votre maison, retrouver cet environnement sain qui vous permet de retrouver cette tranquillité-là. Vous pouvez également vous aider avec de la musique douce, apaisante, de l'aromathérapie, et essayer de vous débarrasser de toutes les activités et les responsabilités qui vous culpabilisent. C'est-à-dire que vous avez l'impression finalement que vous êtes obligé de les faire, et si vous ne les faites pas, vous vivez sous le poids de la culpabilité de ne pas les faire, et puis pour le coup, c'est une sorte d'engrenage, c'est-à-dire que les moments de pause et de tranquillité que vous essayez de vous octroyer, bah, vous ne les vivez pas pleinement parce que vous avez au fond de vous cette petite voix de culpabilité qui vous dit « mais tu fais rien ». Donc juste appréciez, débarrassez-vous de cette responsabilité que vous vous imposez, de ces obligations, et appréciez le moment présent et ces moments de détente. Et ayez confiance en sachant que tout se déroule parfaitement. Ce n'est pas parce que vous allez vous prendre une pause aujourd'hui que ça va être la catastrophe. Donc voilà pour ce très joli message du jour. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Passez une très belle journée.